Ragtime, en tant que phénomène musical, existe depuis 1855 environ. On a les premières traces de la syncope dans une méthode de banjo. Il semble que ça vient du banjo. Parce que les banjoistes ont l'habitude de pincer, d'arpéger les banjos. Et puis, alors là, la succession sur les doubles croches du pouce et de l'ongle déplace les syncopes. C'est l'origine des syncopes. Donc, cette musique syncopée qui va donner le jazz. Et là, depuis 1855, on a un traité de Benjamin Strachan. Mais la musique émerge en 1899 avec la première pièce qui s'appelle The Maple Leaf Rag de Joplin. Il vend 1 million d'exemplaires sur partition. On fait des gros sous avant le disque avec ce genre de musique. Et c'est la pièce. Brenno Boccadoro.